On a repris le jeudi 19. Donc on a passé 2 jours à leur faire faire des tests physiologiques, donc des tests de musculation, cardio, anthropométrique. Et on a pu voir en fait un petit peu leur état de forme. Et à partir de là, on leur a donné un planning individuel sur les 2 semaines qu'on suit, donc la semaine dernière et cette semaine, par rapport un petit peu à leur manque. On est sur des thèmes assez classiques, hein. On est sur des thèmes plutôt cardio, donc sous forme de courses. On est sur beaucoup de musculation, qui peut être de la musculation sur le haut du corps et le bas du corps. Et on est beaucoup sur la vitesse, donc beaucoup de séances en tribune ou avec chariot. Voilà, c'est ça les thèmes. Et puis quelques séances de fat pour ceux qui sont revenus un petit peu plus gros que la normale. Il y a quand même des exercices de reprise avec le ballon. Alors c'est un petit peu la carotte, c'est-à-dire qu'on a 3 thèmes dans la semaine, 3 physiques dans la semaine. Et c'est vrai que le dernier physique, un peu pour clôturer la semaine qui est souvent très difficile, on y met un petit peu de ballon pour garder cet aspect un peu ludique. C'est quand même tous des joueurs. Donc les mecs ils aiment bien avoir un petit ballon quand tu leur fais courir de manière athlétique sur des grandes longueurs. C'est rigolo une fois, deux fois, mais après on perd vite de l'influx et vite de l'envie. Donc du coup c'est toujours ce qu'on aime mettre en place sur les fins de semaine, rechercher l'aspect physique, mais en mettant des ballons, on appelle ça des jeunes aérobies. Et c'est plutôt pas mal, ils aiment bien. Chacun un petit peu ses méthodes. Après je pense que ce qui les surprend beaucoup aussi, c'est aussi la chaleur. Ils arrivent de Paris ou de Tarbes, et c'est un peu plus, il fait un peu plus frais, on va dire, à cette période de l'année. Et nous, c'est vrai qu'on s'entraîne sur des créneaux en plus entre 11h et midi ou 15h, mais c'est un petit peu le but parce qu'on va reprendre la saison mi-août et les matchs qu'on va jouer dans le sud, il va faire chaud. Donc, c'est essayer d'un petit peu de déjà être un petit peu dans la préparation des matchs. Mais sinon, non. Après, peut-être que ouais, il y a d'autres méthodes hein, qui font qu'ils se sentent un peu plus en difficulté, mais je les trouve plutôt bien, même moi, donc je suis assez satisfait des nouveaux aussi.